Yash, salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 5 d'Assassin's Creed 1. Il est 20h44, nous sommes le 14 octobre et la France perd 2-0, mais la France est quoi. Voilà, au foot, parce que je viens d'avoir l'alerte. C'est plus, vous en foutez, sûrement. Donc, j'ai fait tous les points d'observation, donc connus dans cette zone-là, évidemment. Voilà, je viens de le faire. Je vous ai mis au dernier. Bon, il ne me reste plus que ce courir là, et puis c'est tout. Mais on va pas s'occuper de ça. On va déjà. Altaïr, c'est moi. Voilà. J'irai bien m'occuper. On va de dérober. Voilà. On va faire les trois là. Les trois là. Et puis après, on ira s'occuper du complice quand même. Voilà, parce que je vous avais promis de vous éclipser tous les passages à la con. C'est fait. Enfin, les passages à la con, les passages de découvrir les points d'observation, etc. On a une chose faite, hein. Déjà, je l'ai fait au moins une fois. Parce que j'y ai pensé déjà, c'est le problème. C'est vrai que c'est chiant. C'est chiant à faire, alors j'imagine à voir aussi. Ça doit être. Non, tu vas pas là. Non, non. Ça doit pas être super agréable à voir. Enfin, bref. Oula, là. Alors plus rien ne pourrait l'arrêter. Il marcherait ensuite vers Jérusalem. On va descendre par étapes. Il faut l'arrêter. Non. Le mettre hors d'état de fuite. Oui, quelle est la nôtre. Elle l'a toujours. Allez. Il est encore super loin. Évidemment, on va se taper toute la ville en même temps. Il va finir par bousculer quelqu'un. Wow. Ah oui, c'est les dérobages ici. Pas du dérobage. Il y a eu un mec que j'ai sauvé. Que j'ai secouru, donc du coup. Voilà, ceux qui courent, ils sont là pour me défendre. Il faut vraiment faire quelque chose. Quelqu'un d'autre ne va pas tarder à le découvrir. Dis-lui alors, maintenir la sécurité dans le souk et dans son intérêt. Il voudra pas me rencontrer. Il est trop occupé par sa nouvelle commande. Et les gardes? J'ai déjà essayé. Ils ne lèveront le petit doigt que si l'ordre vient de lui. Que tu vas faire alors? M'entretenir avec Abul Nukud. Le prince des marchands? Il ne te recevra pas. Il n'en aura pas besoin. Je lui ai rédigé une missive pour lui exposer le problème. Il n'aura qu'à la lire pour se faire une idée. Bon. Eh ben moi aussi je vais me faire une idée. Eh oh, je t'emmerde. Hop là! Voilà! Ça c'est fait! Ah, t'es emmerdé! Allez, maintenant on fait le défi informateur! Je sais pas ce que c'est, mais faisons! Oula! Salut! Je ne t'aime point! 4! Oh la vache, c'est super long à chaque fois les trucs! Voilà, donc pour ceux, je suppose qu'il y en a pas beaucoup qui connaissent pas Assassin's Creed. Parce que je sais que vous êtes nombreux à ne jamais avoir joué au 1. Oui. C'est toi. Altaïr, j'ai besoin de ton aide. J'ai pris quelque chose à l'un des hommes de Tamir et maintenant il me cherche. Aide-moi. Conduis-moi en lieu sûr et je te montrerai ce que c'est. Ok. Comment on escorte ? Ouais. Je comprends pas.
D'accord, donc faut que je te suive toi en fait. Tu vas mourir. Fais tes prières. Et j'ai compris comment ça marche. Voilà. C'est bon. Ok, donc quand il a peur, faut que je suive. Oh, t'es sérieux. Voilà. Voilà. Plus celle jusqu'au bout. Garde, Dalen. Mais ferme ta gueule. Non, que s'est-il passé? Ah, stop là. Un petit drapeau, je pense que j'aurai évidemment pas tous les drapeaux. Oh, il y a toi là. Drapeau sardin. Okay. Nous sommes en sécurité. Ah, d'accord. Je peux maintenant me débrouiller seul. Prends ceci. Tu en auras besoin dans ta mission. D'accord. C'est une sorte d'invitation, je crois. Super. Oh. Bon, c'est... Bonjour, c'était trop nul. Tamir se trouve dans le souk. Ok. Génial. En plus, on allait pile poil là où. Ou pas. Enfin, loin, quoi. On a juste avancé, on a fait quelques mètres avec l'autre piquet. Oh, mais tais-toi. Oh, mais ça va, Barry. Changer de technique. Voilà, dégage. Qui a dit pitié? J'ai entendu pitié, ne me faites pas de mal. Non? Non, ben non. Alors, c'est ça que j'aime pas. Oh! Je te dis que ce sont des rats. Non, des enfants, je les entends rire. Rats ou enfants, tout ce bruit. C'est pas bon pour les affaires. Je sais de quoi je parle. Quelqu'un doit escalader ces poutres pour les chasser. Je me demande comment ils sont montés jusque-là. Bah, sans doute par la cour centrale. Nous devrions demander aux gardes de jeter un œil. Ils pensent pas, ils sont bien trop occupés à cajoler leur maître. Ok. Bon, ben voilà. On aura fait... On aura quitté tout ça. Eh, problème résolu. Je me ferai bien viffer ces deux-là. Eh, histoire de remplir la zone. Je sais pas ce que vous en pensez. Je considère pas... ouais, c'est pas le truc chiant par excellence. Oh, ça c'est chiant par contre. Le truc chiant par excellence qui est d'aller à tel endroit pour ouvrir les drapeaux. Là, il y a de l'action, il y a du coup pas les drapeaux, les zones. Yeah! Ça c'est de la défense. On est à 80 mètres, ok, ça va aller vite. Voilà. Je suis ton homme. Qui veut se battre là? Il y en a un qui veut se la mettre, c'est ça? Oh, mais arrête avec tes pauvres. Je sais pas, je comprends pas ce qu'ils font toutes les nanas là avec leur flotte, là, avec leur machin. Ah! Tu ne peux pas. Ça ne sera pas très difficile. D'accord, on a une superbe vue. Ouais, changement de technique. Allez, viens par là. Il a tué quelqu'un! Oh,
J'aime pas qu'on me respecte pas. Est-ce que c'était le dernier ? Ouais, c'était le dernier. Je l'espère. Enfin, mieux vaut ne pas prendre de risques. Je vais rentrer. Et je ne ressortirai pas de chez moi avant longtemps. D'accord. Je vous dois une fière chandelle. Ouais. Merci beaucoup. Je ne l'oublierai jamais. Je vous le demande. Ah ! Ok, et il me reste plus que celui-là. Et normalement, tous les citoyens de cette zone-là sont secourus. Oh. Ouais, j'aime bien faire ça, les secourus. C'est quoi, ça? Les érudits. Ah, d'accord. Ok. Ah, pardon, j'ai envie d'éternuer. Voilà. Ah, il y avait eu la retouche. La retouche. La petite sœur. Ah. Oui, parce que je suis malade. Bon, ça s'entend pas parce que je suis... En fait, c'est une gastro de base et puis un petit rhume. Et oui, c'est cadeau, c'est joie, c'est... je suis content. J'aime les gastro. Oh là là. Ah, raté. Tu peux encore t'enfuir. Bon, et tu commences à avoir qu'une finie. Voilà. Bon, allez. Suivant. Voilà. Merci pour votre gentillesse. De rien, madame. J'en fais serment. Oh, il va me voir. C'est bon, je t'en fous. Oh, j'adore faire ça. Pardon. Allez, occupons-nous de la quête maintenant. Normalement, on a toute la carte qui est libérée. On a tout fait. Il nous reste plus que la quête principale. Eh, on est pas mal là. Alors j'aime bien me promener sur les toits aussi. De toute façon, il faut aller sur les toits pour. Ouh, c'est peut-être loin. Non, ça passe. Voilà, c'est dans les toits. Hop. Et que la petite roulade. Et tout va bien. Bienvenue, Altaïr. Bienvenue. Allez, merci. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Maintenant, donne-moi la plume. Chaque chose en son temps. Qu'as-tu appris ? Tamir règne sur le Souk Al-Silla. Il a fait sa fortune en vendant armes et armures et a reçu beaucoup de soutien dans son entreprise. Forgeron, marchand, financier. C'est le plus puissant des marchands de mort de la région. Et as-tu trouvé un moyen de nous débarrasser de cette vermine ? Ils vont se rassembler dans le Souk Al-Silla pour conclure une vente importante. La plus importante jamais réalisée par Tamir. Il sera pris par son travail, et j'en profiterai pour agir. Ton plan me semble logique. Tu as tout mon soutien. D'accord. Que la volonté d'Al-Mualim soit faite. Repose-toi ici, autant que tu veux. D'accord. Eh ben écoute, c'est cool. J'ai une plume. Avance rapide vers une séquence pulsante. Oh, oui. Ah, je me suis reposé, ça c'est cool. L'avantage c'est qu'on peut dormir dehors ici. Pas dehors, entre guillemets, s'il n'y a pas de toit quoi. Cible assassinée. Il nous reste combien de temps d'épisode? Je ne sais absolument pas, on en est où. Il nous reste 6 minutes. Pff, c'est magnifique. Allez, allons s'occuper de la... Allons nous occuper, ça sonne mieux, non? On est d'accord? Ouais, ça va des fois, ma... Bah, encore une fois, là. Ma bouche, elle veut dire des trucs. Le problème, c'est que... Non, ma tête veut dire des trucs, mais ma bouche ne veut pas. Super, vas-y, cache-toi, c'est génial. Mais mes doigts aussi, souvent.
Bonjour, mis un petit l'ami. Peu d'argent. Je peux faire quoi que ce soit pour t'aider. Quoi que ce soit. Mmh. Putain, les quartiers là, ça n'est pas grand chose en fait. Ah, je vais mourir. Mais vous pouvez vérifier. Je me moque de tes calculs. Les chiffres n'y changent rien. Tes hommes n'ont pas honoré la commande. Et moi, je n'ai pas satisfait mon client. Et il nous faut plus de temps. C'est une excuse digne d'un paresseux ou d'un incompétent. Lequel es-tu ? Aucun des deux. Ce n'est pas mon impression. Alors, dis-moi, comment envisages-tu de régler ce problème exactement ? Il nous faut ces armes maintenant. Je n'ai aucune solution. Les hommes travaillent déjà jour et nuit. Et votre acheteur a vu très grand, sans parler des difficultés d'acheminement. Si seulement tu étais aussi doué pour produire des armes que pour trouver des excuses. J'ai fait tout mon possible. Cela ne suffit pas. Alors peut-être en demandez-vous trop. Trop ? Alors que tu me dois tout. Sans moi, tu en serais encore à charmer des serpents pour quelques pièces. La seule chose que je te demande en retour, c'est d'honorer les commandes. Et tu dis que j'en demande trop. Tu t'aimes. Manquer de respect. Du calme, Tamir. C'est un malentendu. Plus un mot ne sortira de ta bouche. Non. Oh. Arrêtez. Arrêtez. Je viens juste de commencer. Arrêtez. Tu es venu dans mon souk. Tu as dérangé mes hommes. Et tu as osé m'insulter. Reste. Non, laisse le corps. Oh la vache, la flotte est rouge. Hein. Que cela vous serve de leçon. Réfléchissez bien avant de me dire que quelque chose est impossible. Maintenant, au travail. Bon. Oh, comment je l'ai mis. Tu vas payer pour cela. Toi et tous tes semblables. C'est toi qui vas payer, semble-t-il, mon ami. Tu ne tireras plus parti de la souffrance des autres. Tu me prends pour un petit marchand de mort qui profite de la guerre pour s'enrichir. Pourquoi faire de moi ta cible? Je ne suis pas le seul à exercer ce métier. Te croirais-tu différent des autres? Je suis différent. Car j'ai mis mes compétences au service d'une cause noble. Tout comme mes frères. Des frères ? Ah, ils pensent que j'agis seul. Non, je ne suis qu'un maillon. Je remplis mon rôle, comme les autres. Tu les rencontreras bien assez tôt. Ils risquent de ne pas apprécier ce que tu as fait. Bien. J'ai hâte de les mettre eux aussi hors d'état de nuire. Quelle arrogance. Elle te détruira, mon garçon. Oh, la plume, c'est trop classe. Ne le laissez pas partir. Ah bah oui. Oh, vous devenez anonyme. Bon. Ça va être difficile pour le retenir. Allez. Bon, tu m'embêtes. Bon, allez. Bon. Bah, je pense que le problème est résolu. Ouais, bon, on va se cacher et puis. De toute façon, sur le tour, on est assez tranquille. Où est-il ? Ah, d'accord, on peut. La pourchassement de moi. Oh putain. Excusez-moi juste quelques instants.
une araignée. Je déteste les araignées. Hop là. Même pas raté. C'est bon, je l'ai eu. Ouais, je vous ellipse pas la truc. Hop. Je savais bien qu'il y a toujours une araignée tous les jours chez moi, en fait. C'est vrai. Ah ah, je suis bien caché. Quoi? Allez, je vais voir. D'où est-ce qu'il sort? Ouais. Je suis encore dans le rouge. Bon, bah, je pense que c'est sur ce banc ainsi qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Oula, oula. Je suis en train de crever de chaud, excusez-moi. J'ouvre ma fenêtre. Un peu d'infos, ça fait du bien. Voilà, en tout cas, moi, je vous donne rendez-vous samedi pour l'épisode suivant dans l'épisode 6. Allez, ciao tout le monde. Pousse.